Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Raider, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode 23 sur Immortal Phoenix Rising, le DLC Dieu perdu. À chaque fois, je dis nouveau Dieu alors que c'est Dieu perdu. Alors. Oui. C'est vrai qu'il faut foutre le feu à ces trucs-là, là. Alors. Maintenant, on va pouvoir déambuler tranquillou sans se faire sucer le derrière. Je voulais dire plutôt sucer l'énergie. Alors, oui, d'accord. Non, t'es sérieux là? Tu m'as fait un double saut de The Villamouche? Ok, y en a un là. Oh misère. Ah, tu fais pas de feu. T'as plus de feu maintenant. Eh bah dis donc. Mais je pourrais jamais faire ça avec. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je le balance là-bas là? Wow. Ça m'a l'air un petit peu tiré par les veuches, hein. Un petit peu trop tiré par les cheveux. Bonjour. Réapparition des ennemis, super! Ah d'accord, donc va falloir que je le jette là-bas. Ah donc je vais perdre petit à petit de la vie. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Bonjour. Sacrifice. Consommation de 50% d'un fragment de santé à la place d'un fragment d'énergie. D'accord. Et c'est par rapport à l'épée du coup. D'accord. Eh bien, d'accord. Merci à tous. Ça va pas, non? Non mais... Mais en fait, t'es pas obligé à chaque fois de le prendre, hein. En fait, si tu jamais tu le perds, tu peux toujours en récupérer un, c'est ça? Oh, je sens le fight.
Je vais devoir le lancer là-bas, c'est ça? Oh. Je suis content, franchement je suis content, j'ai pensé qu'il allait se barrer en mode ah, salut hein. Mais genre. Non mais genre. Non mais genre. Allô? Pourquoi tu t'es éteint? Mais qu'est-ce que... Non mais il se fout de ma gueule ou quoi? What the fuck? Non mais what the fuck, est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Au bout de deux jets, il arrête de brûler, c'est ça? Mais en plus, il était tellement bien dans le pot, en fait, il a rebondi dans le pot, en fait, si je comprends bien. Ah non, c'est qu'il a un certain temps, au bout d'un certain temps, en fait, il arrête de voler, tout simplement. Non, mais est-ce qu'on en parle de ça, là, aussi? Non! Non, 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 non! Il est en face de toi! Merci! Arrêtez de me casser les couilles, putain! Sans déconner, il est en face de toi, tu prends celui qui est à gauche, quoi! Merde! Putain! Oh oh! Il est en face de toi? Non, non, mais je vais prendre celui qui a 15 km! Je préfère! C'est bon, hein, tu me prends bien celui-là et pas l'autre, hein, on est d'accord. Parce que... Je préfère tirer, hein. Je préfère tirer, hein. Attends, on va le laisser là. Je cours. D'accord. Alors là, va falloir qu'on me dise comment je fais. Je le prends, je vais là-bas et c'est bon?
Donc faut les le jeter. J'aime bien me casser la gueule parce que tu sais pas quoi faire. Ça c'est cool ça. J'aime bien, t'as pas de profondeur de champ, t'as... Déjà que dans le jeu de base avec une caméra que tu pouvais tourner plus facilement que ça, t'avais pas spécialement de profondeur de champ, mais alors là c'est encore pire de chez pire. Je sais pas comment on arrive à ce niveau de conneries. Mais je dois bien avouer que j'en suis surpris quand même, hein. C'est abusé, quoi. Bon, il y a des champs pipi là, ça c'est cool. Ah, il me l'a fait repop ici, ça c'est gentil ça. Non, il est en face de toi là, arrête! Arrête! Ah, je peux pas le prendre. Hein. La merde, hein. Non, 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 c'est dégueulasse. Madame, bonjour, c'est dégueulasse. Bon, c'est bon, j'ai compris ce que je devais faire. Merci à tous. C'est bon, hein. Je t'en supplie, monte. Voilà. Oh, misère. Voilà. N'est pas assez chaud pour faire fondre la glace. Bah mets-le à côté. Qu'est-ce que tu fais, espèce d'oiseau? Wow, attention! Mais c'est un phénix de feu. Wow. On dirait la voix de H, mais tu sais, avec un petit filtre aigu. Ah, en tout cas, c'est la même actrice. Alors, c'est peut-être pas la même actrice que H, mais c'est peut-être la même actrice que Phoenix ou encore je sais pas quoi, mais tu sens que la voix, elle est modifiée de ouf, quoi. Estia! Waouh! Tu vas bien? Tu étais complètement gelée! Oh! Et tu m'as sauvée? Merci beaucoup, mortel. Wow. Ah ça, j'étais inquiète. L'heure est Quand j'ai vu le volcan et toute cette lave à ton sanctuaire, je me suis demandé ce qui t'était arrivé. De la lave? Un volcan? Oh non! Que s'est-il passé pendant que j'étais congelée? Tu veux dire que ton joli sanctuaire n'est pas censé être comme ça? Tout plein de lave partout?
Ma maison! Bah, salut, hein! L'heure héroïque. Ah, d'accord. Eh, salut. On va sauvegarder déjà. Et ça fait des explosions, d'accord. En vrai, la vie, ça a l'air d'aller, hein. C'est juste... Non. Comme ça. Hop. 40%, c'est énorme, hein. Vu que je l'utilise beaucoup, ça aussi. Hop. On peut réduire le coût. Probabilité de 40%, c'est énorme, hein, n'empêche. On va mettre 50% parce que c'est vrai que ça avoine pas mal quand même, hein. Ça m'a l'air d'être bien. Ouais, ça m'a l'air d'être bien. Ouais. Petite sauvegarde. Y a pas un système de quête ici là? Magasin. Francky Vincent, le magasin. Non, c'est pas ça. Ok. Ah, j'en ai les quêtes. Détruire les tablettes corrompues dans les cryptes, 5 sur 7. Persuader le dieu de regagner l'Olympe, 2 sur 4. Ah bah oui, après y a Hadès aussi à faire. Allons parler à Estia, tiens. Est-ce qu'on peut se TP déjà? Non. Merci à tous. Bonjour. Va falloir que... Que je trouve des coffres, que je farme un peu, parce que là c'est un peu la zermi. Un
coffre là-bas, donc on va aller se le faire. C'est pas grave, on va aller affronter les méchants. En plus, c'est un coffre avec des ennemis. I guess. Oh que non. D'accord, donc il va falloir ramener la bouboule. Alors là. Oh misère. Je me disais aussi, tiens, ça me paraît bizarre. Ah ouais, elle me fait un saut à la con en fait. Oula. Ça prend de super loin. Hein. Ah ouais. D'accord. Tu peux te tourner? Merci. Non mais t'es sérieuse là, le temps que tu te tournes là? Wow. Eh hey, mec, s'il te plaît. Enfin mec, meuf, enfin, whatever quoi, je m'en fous. Oh mon dieu quoi. Voilà, on fait ça. Voilà. Du coup, c'est un équipement. Oh, autour de pèlerinage. Perforation. Quoi? Ok. Et bien d'accord, allez hop, c'est parti, mon kiki. Let's go. On sait jamais avec la teinture là. C'est la teinture. Wow. Putain. Instantan. Les mecs ils rigolent pas. Hein. On voit qu'on joue pas au même jeu eux et moi. Hein. C'est un truc de ouf. Oui bien sûr.
Phosphore n'est toujours pas revenu. J'espère qu'il va bien. Oh, j'en suis certaine. Et puis, tu sais ce qu'on dit sur les oiseaux de feu immortels? Non. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, eh ben, j'en sais rien en fait. LOL. Un oiseau de feu immortel, je suis sûre qu'il va bien. Ah, n'ose pas lui dire que Phosphore est avec elle? Pourquoi? Cette action nécessite un miracle. Oh mon dieu. Un miracle et... Oh mon dieu. Effectivement, oui, c'est un moyen comme un autre de demander un miracle. Allez, Zou, moi je vais quand même arrêter là. Et on a oublié d'aller... On a oublié d'aller faire ça, là. Du coup, prochaine fois, ce qu'on fera, c'est simple, on ira se faire les cryptes qui est ici. Il nous en manque deux, parce qu'on en a, 5 sur 7. Donc je pense que c'est les dernières, comme ça Hadès pourra après venir nous donner un petit coup de main. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à commenter celui-ci comme d'habitude, toujours pour savoir votre ressenti. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne louper de nos aventures. En attendant, je vous fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!